Le Maroc est un pays souverain, jouissant d'une indépendance de décision. L'avis est de Sifiso Marlangou, rédacteur en chef du journal sud-africain The Star. Selon le journaliste, le Maroc est dans son droit de déclarer ou non sa participation au sommet du groupe BRICS. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord, le Maroc est un pays souverain, jouissant d'une indépendance de décision. Comme je viens de le mentionner, il s'agit d'une décision souveraine d'un pays avec un gouvernement démocratiquement élu. Par conséquent, le Maroc a tout le droit de décider s'il souhaite participer au sommet du groupe BRICS ou non. Le groupe BRICS est par principe une alliance économique regroupant des pays souverains et indépendants. Il est donc concevable et de l'envisager comme un groupement d'organisations de la société civile, de groupes ethniques, religieux ou autres. Ainsi, la décision revient essentiellement à l'État marocain et l'invitation qui lui a été adressée ne l'engage en rien. Il appartient au pays de l'accepter ou de la décliner. D'autre part, la décision marocaine de ne pas assister au sommet est tout à fait légitime, vu qu'elle est le résultat de plusieurs facteurs politiques et sociaux dont nous sommes tout à fait conscients, sans oublier que Pretoria a une grande part de responsabilité qu'elle devrait assumer à cet égard. C'est donc une décision marocaine souveraine qui mérite le respect.